Alors mes chers abonnés, bonsoir. Donc on est au début de soirée fraîche, nous allons passer à la nouvelle fable. Au niveau des bonnes cages, donc j'ai choisi le roseau et le chêne. Bon, il se trouve que chez moi je n'ai ni roseau ni chêne. En même temps c'est très franco-français. Mais par contre j'ai un lotus. On va une plante égyptienne, ça va faire le fameux papyrus. Et à côté, j'ai un arbre de Judée. Donc, comme son nom l'indique, ça vient de Judée. C'est une région en Palestine ou en Israël, je sais pas. Donc, ça sera la fontaine revisitée en mode plus oriental. C'est pas mal non plus. Donc, pour petit rappel, dans la fable, le chêne et le lotus, enfin, le chêne et le lotus discutent sur qui résistera le plus souvent. Parce que le lotus plie. Et le chêne subsiste. Sauf que quand il y a trop de vent, le chêne finit par s'arracher. Manque de peau, je n'ai. Il n'y a pas de vent. Donc je ne saurais vous déterminer lequel gagne. En même temps, ils sont là depuis très longtemps. Alors je mettrai un bas. Ça va être là, ça va être un bas. 50-50. Pas de gagnant. Égalité. Donc voilà. Donc là, je ne peux pas casser la fable. Je peux dire que je ne sais pas. Il n'y a pas eu assez de vent pour montrer l'arbre cassé ou le roseau trop plié. Encore merci et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire et à partager. Allez bye, à la prochaine.